raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle qui est un peu la honte du système judiciaire français et de la police judiciaire. L'affaire Jacques Maire. Un meurtre et deux disparitions qui datent des années 80 et qui se soldent dans les années 2000 par un non-lieu et deux acquittements. Qui nous oblige à dire ici que Jacques Maire, même s'il avait tout contre lui, est innocent. Et je dois dire que ça m'arrache un peu la bouche. Mais c'est comme ça. Je vous préviens, c'est une histoire à tiroir un peu complexe. Accrochez-vous. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par une scène d'horreur. Le 31 janvier 1987, à Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, dans une décharge publique, on trouve une jambe appuyée contre une vieille cuisinière, et un peu plus loin, un corps de femme mutilé, nu et décapité. Les mains tranchées, le visage, mon Dieu le visage, méconnaissable. Il manque le nez, les oreilles et les lèvres qui ont été arrachées. Mais qui a pu faire un truc pareil? Un fou? Ou alors c'est un crime rituel? Ou peut-être un règlement de compte? Les policiers, quand ils arrivent sur place, fouillent les alentours. Ils trouvent une bottine de cuir, une petite culotte et un collant. Et un peu plus loin, un grand couteau de cuisine avec une lame de 30 cm tachée de sang. Un couteau qui, à coup sûr, a servi à découper le corps. L'autopsie révèle que la femme n'a pas été violée, qu'elle a été tuée par balle du 22 Longrive. Une balle dans le cœur et l'autre dans le crâne. Qui est cette femme? Les policiers ratissent à nouveau la décharge et ils trouvent un manteau en cuir, taché de sang. Tiens, regarde. Dans la poche, il y a un carnet de chèques au nom de Nelly Aderer. Je crois qu'on tient l'identité de notre inconnue. 22 ans, dis donc. C'était une gamine. Et il ne se trompe pas. Le même jour, son concubin, Michel, se présente à la gendarmerie. Bonjour. Voilà, la mère de ma fille a disparu depuis 2 jours. Depuis vendredi soir. 2 jours? Vous avez attendu 2 jours pour nous prévenir? Ben, je vais vous expliquer. Il explique que le vendredi, ils se sont disputés et qu'elle a claqué la porte. Et du coup, il n'a pas été surpris qu'elle ne revienne pas tout de suite. Pour vous dire, j'ai passé la journée chez ses parents aujourd'hui. Eux-mêmes m'ont dit. Elle va revenir, Nelly, t'inquiète pas. Vous voyez, même les parents ne se sont pas inquiétés. Ok. Les gendarmes préviennent les policiers qui, naturellement, vont chez eux, à Bertichamps. Ils fouillent la maison. Tiens, tiens. Ils tombent sur des fusils et sur des chiffons tachés de sang. Ok, on met tout ça sous scellé et on envoie tout au labo. Dites-moi, monsieur, pourquoi est-ce qu'elle est partie, votre femme? Vous avez été violent avec elle? Oui. Ouais, je lui ai collé 2 gifles. Un aller-retour, quoi, comme on dit. Un aller-retour? Et peut-être plus. Michel est donc placé en garde à vue à la PJ de Nancy. L'audition dure la nuit entière. 5 inspecteurs se relaient pour tenter de le faire craquer. Tenez, monsieur. Regardez. Ce sont les photos du corps de votre femme. Regardez ce qu'on lui a fait. Alors racontez-nous ce qui se passe après la dispute. Ben, il se passe rien. J'ai fait à manger aux enfants. On s'est couché, puis voilà. Qui peut nous prouver, monsieur, que vous ne mentez pas, hein? Eh ben, à 3h du matin, tiens. J'ai reçu un appel de Fabien, le frère de Nelly. Vous pouvez vérifier, hein. J'ai décroché. C'est la preuve que j'étais à la maison. Et pourquoi est-ce que son frère vous appelle à 3h du matin? Ben, il venait de rentrer chez lui. Il a trouvé un petit mot de Nelly sur sa porte, qui disait « Appelle-moi, c'est urgent ». Il pensait qu'elle était à la maison. Il m'a appelé.
intéressant. Ça veut dire que quand elle claque la porte de chez elle, Nelly va chez son frère à Dombasle-sur-Meurthe, à 50 km. Et ça veut dire aussi que son concubin Michel n'est probablement pour rien dans sa mort. Et donc à la fin de sa garde à vue, il est relâché. Et quelques jours plus tard, coup de fil du labo qui le blanchit définitivement. Oui, le sang sur les chiffons, là. C'est pas du tout du sang humain, hein. Et donc pas celui de la victime, hein. C'est du sang d'animal. Si ça n'est pas Michel, alors qui ? Les policiers cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Nelly à partir de 19h, heure à laquelle elle claque la porte de chez elle. D'après Michel, son compagnon, elle part à pied. Oh ben, elle avait l'habitude de faire du stop, hein. C'est sans doute en stop donc qu'elle va chez son frère à Dombasle. Les voisins du frère, en tout cas, disent qu'ils l'entendent arriver à 20h. Oh ben, je l'ai entendu monter l'escalier. Elle a dû trouver porte close parce qu'après, elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours dans l'escalier. Les voisins disent qu'elle quitte les lieux vers 22h. Et ensuite, on retrouve sa trace dans une brasserie qui se trouve à environ 300 mètres, le Bar de France. Une jeune femme brune. Ah ben oui, je me souviens. Elle a commandé 2 cafés. Après, elle retourne chez son frère Fabien. Les voisins l'entendent à nouveau monter et descendre l'escalier. Et puis elle prévient une voisine qu'elle s'en va et elle laisse un mot sur la porte. Il est quelle heure quand elle part ? Oh, je sais pas moi, minuit. Ouais, je dirais minuit. Et à partir de là, on perd sa trace. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, elle fait une mauvaise rencontre. Avec un gars du coin. Pourquoi un gars du coin ? Parce qu'il faut être du coin pour connaître la décharge. Dombasle-sur-Meurthe est un petit village, une cité ouvrière. La plupart des gens travaillent à l'usine Solvay, près du canal. Le vendredi soir à minuit, c'est pas la fête du slip à Dombasle. Il y a quelques bars qui accueillent toute une faune locale, les flics interrogent les habitués. Rien. Et là, une voisine du frère livre un témoignage très intéressant. « Moi, je suis rentré chez moi vers 9h du soir. Et j'ai vu une voiture garée devant l'immeuble. » C'était une GS, blanche. Je crois bien que sur la plaque d'immatriculation, il y avait le chiffre 88. Très précieux témoignage. Les policiers se plongent dans le fichier des cartes grises. Oh, dis donc, là, regarde. Il y a une seule personne à Dombasle qui a une GS blanche avec un 88 dans l'immatriculation. Le type s'appelle Jacques Maire. Jacques Maire. Renseignement pris, c'est un habitué des bars de Dombasle. Les flics du coin le connaissent bien, hein. C'est un bringueur, un type porté sur la bouteille, qui devient violent quand il a picolé. Il habite la rue à côté de celle du frère de Nelly. Et pour parfaire le portrait, il a un petit casier. Les policiers vont le voir tout de suite. Eh ben, c'est une fausse piste. Ah ben, j'étais à la maison, avec ma femme, toute la soirée. Ben, demandez-lui. Et la femme confirme. Et les flics la croient. Dommage. D'autant qu'après, c'est la Bérésina. L'enquête s'enlise pendant des mois, des années. 7 années s'écoulent. Et en 1994, le juge referme le dossier d'instruction et il conclut à un non-lieu. Imaginez la famille. Michel, le compagnon, qui a fini par adopter la fille aînée de Nelly dont il n'était pas le père. On lui dit « c'est fini ». On ne retrouvera jamais celui qui a fait ça. Faut l'avaler, ça. Et l'expression non-lieu est terrible, comme si le meurtre horrible de Nelly n'avait jamais eu lieu. C'est une autre affaire qui va relancer l'enquête sur la mort de Nelly Aderer. Une affaire antérieure de 2 ans, enterrée elle aussi. Et qui, grâce à la ténacité de la famille, est en train, pile à ce moment-là, de refaire surface. Une disparition qui a eu lieu à Dombasle en juillet 1985, c'est-à-dire 1 an et demi avant le meurtre de Nelly. Une adolescente de 16 ans, nommée Sandrine Ferry.
Le 20 juillet 1985, Sandrine passe la soirée dans un bar de Dombasle, le Madison. Vers 1h30 du matin, elle décide de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle rencontre un bon copain, Mohamed. Il fume une cigarette. Mohamed la raccompagne sur quelques centaines de mètres. « Tu veux que je te raccompagne chez toi ?»« Oh, t'inquiète, t'inquiète, je vais rentrer toute seule. » À ce moment-là, il lui reste 3 kilomètres pour arriver chez elle. Elle doit longer le canal et l'usine Solvay en pleine nuit. Sandrine n'est jamais arrivée chez elle. Et au petit matin, on retrouve son sac à main sur les berges d'une rivière, derrière l'usine. La mère s'inquiète. Elle va voir les flics. « Moi, je pense qu'il faut lancer une enquête. C'est un enlèvement. Vous pensez pas plutôt que c'est une fugue, madame ? Écoutez, ce que je vous propose, c'est de l'inscrire dans le fichier de recherche dans l'intérêt des familles. Puis vous verrez qu'elle réapparaîtra, votre fille. » Une simple mesure administrative. Pas d'enquête. Le copain Mohamed, le dernier à l'avoir vue vivante, n'est même pas interrogé. La mère fait publier des avis de recherche dans la presse locale. La mère elle-même cherche des témoins. Les parents vont patrouiller la nuit dans les quartiers de prostitution de Metz. « Bonsoir. Vous n'avez pas vu une gamine de 16 ans qui serait arrivée récemment ?»« Non. Ok, merci. » Pendant des années, les parents n'ont aucune nouvelle de leur fille. La police ne mène aucune enquête. Et 9 ans plus tard, en 1994, pile au moment où le juge vient d'enterrer l'affaire Nelly Aderer, les parents de Sandrine Ferry prennent une avocate, maître Anne-Lise Bloch. « Nous, ce qu'on veut, maître, c'est qu'on ouvre une enquête. Rendez-vous compte, ça fait 9 ans. C'est pas trop tard pour ouvrir une enquête, maître ?»« Non, bien sûr que non. » Il faut porter plainte pour enlèvement et séquestration. 9 ans après, une enquête, ça va pas être facile. Et la clé de la suite, c'est une troisième affaire. Car l'avocate, maître Anne-Lise Bloch, est saisie au même moment par une autre famille à qui il est arrivé la même chose. Odile Busset, 20 ans. Elle aussi a disparu 2 ans avant Sandrine Ferry, dans le même coin, Dombasle-sur-Meurthe. C'était en mars 1983. Odile, qui avait un petit garçon, est venue le déposer chez sa mère, avant de sortir en boîte de nuit. Elle n'est jamais revenue chercher son fils. Jamais. Sa mère est allée au commissariat pour signaler sa disparition et à elle aussi on a dit « Bah c'est une fugue ». Une fugue ? Mais enfin, Odile n'aurait jamais abandonné son fils. Et là encore, les années passent, dans l'indifférence générale. Même quand la mère vient livrer un témoignage très intéressant. Une copine d'Odile, Hakima, lui a dit que le soir de la disparition de sa fille, elle a vu une voiture rouge ou orange devant chez elle. Mieux que ça, elle a reconnu le conducteur. C'est un voisin. Il s'appelle Jackie. Jackie Maire. Jacques Maire, de son vrai nom. Et les policiers, à l'époque, ont mollement organisé une confrontation entre la copine Hakima et ce Jackie Maire. Et lui, il l'a traité de folle. Et on en est resté là. Onze ans plus tard, l'enquête sur la disparition d'Odile tient en 8 pages. 2 auditions, le strict minimum, du foutage de gueule. Mais maintenant que Maître Bloch a ses 2 dossiers sur son bureau, ça lui saute aux yeux. Ces 2 histoires se ressemblent. Odile et Sandrine sont 2 jeunes filles de milieu modeste qui habitent le même coin, qui ont disparu dans la même indifférence générale. Alors 12 ans après la disparition d'Odile et 10 ans après celle de Sandrine, Maître Bloch obtient enfin l'ouverture de 2 enquêtes. 2 enquêtes séparées. Dommage. Confiées à 2 juges d'instruction différents. Mais tant d'années après, qu'est-ce que vous voulez faire? Les policiers commencent par vérifier l'état civil des 2 disparus. Ils regardent les dossiers d'assurance maladie, les comptes bancaires. Rien n'a bougé depuis des années. Elles sont mortes.
Le juge ordonne alors des fouilles aux abords de l'usine Solvay. Il fait ratisser 6 hectares. Ça dure 2 jours. On ne trouve rien, bien sûr. Mais le juge en charge de l'enquête sur la disparition d'Odile Busset finit par se rendre compte que dans le maigre dossier de 8 pages, je vous rappelle, il y a une lettre anonyme qui date de 1989. Une lettre qui désigne un suspect et qui fait le rapprochement avec le meurtre de Nelly Adereur. Cette lettre est écrite au normographe. Vous savez, c'est une sorte de pochoir. Je vous la lis. Au sujet de l'affaire Nelly, carrière Saint-Nicolas, Monsieur Jacquimer est coupable. Ce soir-là, il a été vu en sa compagnie. Et la fille Busset, pose-lui la question. Quand il est ivre, il parle beaucoup. Autrement dit, dès 1989, la police, si elle s'était intéressée à cette lettre anonyme, aurait pu faire le lien entre le meurtre de Nelly Adereur et la disparition d'Odile Busset. D'autant que le nom de Jacques Mer, apparaissait déjà dans l'affaire Adereur. Vous vous souvenez, la GS Blanche et sa femme qui avaient dit « Mais non, il n'a pas pu tuer Nelly puisqu'il était avec moi à la maison. » Mais il y a pire que ça. On s'aperçoit 12 ans plus tard qu'au moment de la disparition de sa fille, la mère d'Odile, elle aussi, a désigné Jacquimer. Vous vous souvenez, la voiture rouge ou orange qui a été vue en bas chez elle le soir de sa disparition, par une copine d'Odile, Akima. Elle est allée voir le conducteur. Elle l'a reconnu. Elle a désigné Jacquimer, auquel elle a été confrontée. L'autre l'a traité de folle. Les policiers l'ont cru lui. Et pas elle. Que de légèreté à l'époque, que de nullité. Les flics ont été nuls dans cette affaire. Nuls ! Il est temps de se rattraper. Le matin du 29 juin 1997, la police débarque enfin chez Jacquimer. Et il est placé en garde à vue. Mais en garde à vue, Jacquimer refuse de dire quoi que ce soit. Un mur. Et pourtant, le juge le met en examen pour enlèvement et séquestration. Et il l'envoie derrière les barreaux, 14 ans après la disparition d'Odile Busset. Et le juge interroge alors la copine Akima, le témoin clé, celle sur laquelle tient toute l'accusation contre Jacquimer. Et là, c'est la douche froide. Monsieur le juge, vous savez... J'ai menti. J'ai pas vu Jackie ce soir-là. C'est quelque chose que je fais souvent. Je suis une menteuse. J'ai besoin de faire mon intéressante. C'est un problème que j'ai... Je l'ai pas vu. La tuile. Le juge doit relâcher Jacquimer. La guigne. Parce que ce type a le profil. C'est un petit caïd de Dombasle, un gars qui boit comme un trou, qui se bat dans les bars, un type qui a toujours un couteau sur lui. Et qui s'en est déjà servi, hein, mais il n'y a pas eu de plainte. Parce que les gens avaient peur. On raconte même qu'un jour, il a tiré à coups de pistolet dans une boîte de nuit. Et avec ça, un homme à femme, marié mais infidèle. Tout le monde dit qu'il en avait appris Odile Busset, qu'il voulait coucher avec elle, qu'au moment où elle disparaît, ça fait 2 mois qu'il rêve d'elle, qu'il la relance. Mais bon, il n'y a plus de témoins contre lui, donc il est libre. C'est à ce moment-là que l'enquête sur le meurtre de Nelly Adereur rebondit. Une habitante de Dombasle, Viviane, qui habite la même rue que Nelly Adereur, vient raconter que 10 ans plus tôt, elle a vu Jacquimer attendre Nelly dans sa voiture, une GS blanche. Pourquoi est-ce que vous avez attendu 10 ans pour venir nous raconter ça, madame? C'est-à-dire que j'en ai parlé à mon mari à l'époque. Il m'a dit de fermer ma gueule.
C'est que Jacques Maire habite en face de chez nous, vous comprenez. Il voulait pas d'histoire avec lui. Non. Comment voulez-vous qu'on comprenne? Bref, la bonne nouvelle, c'est que ça nous fait un nouveau témoignage contre Jacques Maire. Et cette fois dans l'affaire Nelly Aderer. Le juge d'instruction fait donc à nouveau interpeller Jacques Maire. Et il le place en garde à vue. Mais j'ai rien fait, monsieur le juge, enfin. On m'accuse, c'est n'importe quoi. Je l'ai déjà dit à l'époque. J'ai rien à voir avec ce meurtre. N'empêche qu'une fois de plus, Jacques Maire est mis en examen pour le meurtre de Nelly Aderer et écroué. Une confrontation a lieu avec le témoin, Viviane. Elle ne se défile pas. Mais lui ne bouge pas. Il n'était pas en bas de chez Nelly Aderer le soir de son assassinat. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait saisi des vêtements, des chaussures, un couteau retrouvé sur la décharge. Le juge aimerait bien mettre la main dessus pour faire des prélèvements, essayer de retrouver des empreintes. Malheureusement, les scellés ont disparu. Rageant. Tant pis. 12 ans après la mort de Nelly, le juge ordonne des fouilles dans la décharge. Il se dit que peut-être les corps des deux autres, Sandrine et Odile, sont là quelque part. Un tractopelle creuse sur 6 mètres de profondeur. Stop ! On vient de trouver des ossements humains, notamment un numérus. Malheureusement, ces ossements n'ont rien à voir avec nos deux disparus. On pense qu'ils viennent d'une fosse commune. Tant pis, le juge s'entête. Il fait fouiller des bassins, des salines, des forêts. Ça coûte très cher, une fortune. Ça ne donne rien. Et à un moment, faute de preuves, eh bien il doit se résoudre à relâcher Jacques Maire, qui reste mis en examen, mais qui est libre. Une reconstitution a lieu en bas de chez Nelly Aderer, fin février 2001, de nuit. On assoit Jacques Maire dans une voiture, le but est de vérifier s'il y a suffisamment de lumière pour que quelqu'un ait pu le reconnaître. Et c'est le cas, on le reconnaît. Ensuite, on interroge sa femme. Vous vous souvenez qu'à l'époque, elle avait juré qu'il était rentré chez lui à 22h30. Les années ont passé, elle a changé d'avis. Oh ben non, il n'est pas rentré à 22h30. Il est rentré beaucoup plus tard. Je ne sais pas à quelle heure j'étais couché, mais en tout cas, à 1h30 du matin, il était dans le lit. Là-dessus, un fonctionnaire de la cité judiciaire retrouve les scellés égarés. Les vêtements de Nelly, ses bottines, le couteau retrouvé dans la décharge. Malheureusement, les experts ne trouvent aucun indice. Voilà. Le juge ne peut pas faire grand-chose de plus. Dans le meurtre de Nelly Aderer, il a un témoignage. Ça suffit à renvoyer Jacques Maire devant la cour d'assises. C'est un peu léger, hein, mais ça suffit. Et dans la disparition d'Odile Busset, il a aussi un témoignage. Là aussi, ça suffit pour renvoyer Jacques Maire devant les assises. En revanche, dans le dossier de la disparition de Sandrine Ferry, il n'a pas de biscuit, pas un. Il pense que c'est lui, hein. Mais c'est tout. Et donc la mort dans l'âme, il rend une décision de non-lieu. Jacques Maire ne sera jugé que pour le meurtre de Nelly et pour l'enlèvement d'Odile Busset. Le procès de Jacques Maire s'ouvre le 15 novembre 2004 devant la cour d'assises de Nancy. Il arrive libre, bien sûr. Et il n'a plus rien à voir avec le petit caïd de Dombasle des années 80. Il a l'air d'un brave quinquagénaire. Dans ce procès, vous avez compris que tout va se jouer sur les témoins. Et les témoins, d'entrée, sont mous du genou. Ah oui, Jacques, c'était un bagarreur. Mais il n'était pas bien méchant. Les gens ont encore peur de lui. On interroge Jacques Maire sur Odile Busset, puisque plusieurs témoins ont dit qu'à l'époque, il l'a rêvé. Bah ouais, c'est vrai. Elle me plaisait bien, Odile. Mais comme beaucoup de femmes me plaisaient, hein. Et puis moi aussi, je lui plaisais bien, Odile. On fait ensuite venir à la barre la fameuse Akima, qui l'a accusée avant de se rétracter. La scène est totalement délirante. Elle commence par expliquer qu'elle est voyante, qu'en général, il ne faut pas la croire.
et qu'elle a désigné Jacquemert par hasard. J'ai dit que la voiture que j'ai vue en bas de chez Odile, elle était orange. Bah, c'est uniquement parce que j'aime bien les oranges. Et une fois sa déposition terminée, Hakima se tourne vers l'accusé et elle lui lance. Au revoir, Jackie. À bientôt, hein. Dans le dossier Nelly Aderer, on fait aussi venir le témoin, Viviane, qui arrive encadrée par deux gendarmes, car elle se sent menacée. Elle confirme qu'elle a vu Jacquemert au volant de sa GS le soir du crime, en bas de chez Nelly. Mais voilà que dans la foulée, des proches viennent dire que c'est une menteuse invétérée. Je vous l'ai dit, dans ce dossier, tout tient sur les témoignages. Et si les témoignages sont branlants? Eh ben, c'est mal barré. On arrive au bout de ce procès. Et au dernier moment, l'avocate de Jacquemert, maître Liliane Glock, tente un gros coup. Elle fait venir à la barre le tueur en série Francis Holm. Ça ne lui a pas été difficile, elle est aussi l'avocate de Francis Holm. L'idée, bien entendu, de lui faire porter le chapeau, en tout cas de nourrir le doute, et si c'était Holm? Mais en réalité, c'est un flop total. Holm n'a rien d'intéressant à dire et il repart sans avoir fait avancer les débats. Dans son réquisitoire, l'avocat général reconnaît que les charges contre Jacquemert sont ténues. Oui, il n'y a pas de preuves irréfutables dans ces deux dossiers. Les témoignages sont cohérents, ils sont concordants, mais il n'y a pas la preuve. Je vous demande donc de condamner Jacquemert dans les deux dossiers, en tenant compte de l'ancienneté des crimes, à une peine minimum de 20 années de réclusion criminelle. 20 ans pour le dépeçage de Nelly Aderer? Est-ce que ça n'est pas reconnaître, déjà, que le dossier est totalement vide? Et il est vide. Que voulez-vous que fassent les jurés? Ils ne sont sûrs de rien. Et donc Jacquemert est acquitté pour le meurtre de Nelly Aderer. En revanche, il est condamné à 15 ans pour la disparition d'Odile Busset. Il est emmené le soir même à la prison de Nancy. Mais bien sûr, il fait appel. Et 4 mois plus tard, dans l'attente de ce procès en appel, il est remis en liberté. Jacquemert est rejugé 2 ans plus tard, en 2006, devant la cour d'assises d'appel d'Épinal. Dans les deux dossiers, Busset et Aderer. Le procès commence par un fiasco. L'un des policiers qui a mené l'enquête vient témoigner à la barre. On ne comprend rien, pas un mot, à ce qu'il raconte. L'avocate de mer fait revenir Francis Holm. Et ça ne sert toujours à rien. L'avocat général réclame à nouveau 20 ans de prison contre Jacquemert. Et cette fois, le jury le suit à la lettre. Jacquemert est reconnu coupable des deux crimes et il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. On le menotte et on l'embarque. Mais l'avocate de Jacquemert se pourvoit en cassation. Et figurez-vous qu'on s'aperçoit que la greffière du procès en appel a oublié de signer 32 pages. C'est une erreur idiote. La condamnation de Jacquemert est cassée pour vice de forme. Et le voilà à nouveau en liberté. Mais quelle plaie, cette affaire! Quelle plaie! Ses toutes premières heures de liberté, Jacquemert les a passées en famille. Condamné à 20 ans de réclusion, ce maçon de 54 ans affirme qu'il est innocent. Les premières heures de liberté, ma femme l'est venue me chercher à la maison d'arrêt. Après, j'étais à la maison, puis j'étais voir mes petits-enfants, enfin la famille, quoi. Bon, j'ai été chercher mon journal le matin, j'ai été boire mon petit café. Personne ne parle de ça, quoi. J'espère bien avoir un acquittement, je suis innocent. Le 6 octobre 2008, troisième procès, à Metz. On est plus de 20 ans après les faits. Les témoins branlants sont devenus très branlants. Et le verdict tombe. Jacquemert est acquitté. Des deux crimes.
Son avocate, Liliane Glock, jubile. J'ai envie de dire en toute simplicité, ouf, parce que si vous voulez, cette affaire pour lui, c'est quand même une odyssée qui a gâché des années et des années de sa vie. Hein. Et quelque part, c'est un calvaire qui s'achève. Quoi. Si vous voulez, les faits sont quand même de 1983 et 1987. Et ce sont des dossiers qui sont vides, vraiment qui sont vides. Si vous voulez, moi j'en suis à dire qu'il s'agit de dossiers qui n'auraient même pas dû être renvoyés devant la cour d'assises. En 2010, Jacquemert obtient 200 000 euros d'indemnisation pour les deux années qu'il a passées en prison pour rien. Et est-ce que c'est fini? Eh bien non, pas tout à fait. En 2014, les avocats de la famille de Nelly Haderer obtiennent le réexamen des scellés. Et oui, entre-temps, la technique de l'ADN s'est perfectionnée. Et la côte théâtre, sur la poche intérieure d'un jean de Nelly Haderer, on retrouve une trace de sang qui appartient à Jacquemert. C'est lui! Ça y est, on en a la preuve! C'est lui qui a tué Nelly, et sans doute aussi Odile, et probablement Sandrine. Sauf qu'il a été acquitté et qu'en droit c'est définitif. On ne peut pas le rejuger. Et l'affaire est définitivement pliée quand le 20 janvier 2018, Jacquemert meurt d'un infarctus. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Incroyable histoire qui, je le disais tout à l'heure, au début de ce récit, n'est pas une publicité ni pour la justice française, ni pour la police judiciaire. Une histoire que nous allons débriefer maintenant avec l'avocat de la famille de Nelly Haderer, maître Pierre-André Babel du barreau d'Épinal. D'abord, maître, comment est-ce que vos clients encaissent ce verdict, le dernier, cet acquittement de Jacquemert? Alors, ils l'encaissent avec beaucoup de dignité, mais ils ne sont pas surpris. Car comme vous l'avez très bien raconté, ce procès à Metz est extrêmement difficile. Les témoins qui reviennent sur des faits qui datent d'il y a plus de 20 ans sont catastrophiques. Les dossiers reposant chacun sur des témoignages uniques, le dossier s'effondre à Metz. Le temps s'est trop écoulé et on n'a pas assez de preuves matérielles. Donc ils s'en doutent, ils sont brisés, mais ils gardent une conviction. Et cette conviction, c'est de chercher la vérité. C'est pour ça qu'ils vont me demander de demander une réouverture de l'instruction du dossier l'année qui suivra le procès de Metz. Je suppose que c'est pas facile, après une condamnation, d'obtenir la réouverture d'une instruction pour faire ses analyses ADN, mais vous avez, en la matière, je pense, le juge dans la poche, c'est-à-dire qu'il est sur la même ligne que vous, lui aussi, il pense que c'est maire. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre affaire célèbre qui fait les médias à l'époque, c'est la célébrissime affaire Grégory. Et on revient sur des analyses de cordelettes grâce à des nouvelles technologies de micro-ADN. Sur la base de ces analyses, on a pu retrouver de l'ADN de certaines personnes. On va donc utiliser cet argument pour relancer le dossier, sachant qu'on a retrouvé, comme vous l'avez expliqué, les scellés, et qu'on a des éléments, un jean, on a des vêtements qui peuvent nous permettre de démontrer l'existence ou non de traces ADN. C'est cela qui nous permet de rouvrir l'instruction. Mais on fait une demande de réouverture d'instruction contre X, pas contre Jacquemert, puisqu'il a été définitivement acquitté. Le but de la famille... C'est le seul moyen, c'est d'aller contre X. Et j'irai, tout à l'heure, je vous expliquerai l'état de la procédure et ce qu'on recherche exactement, puisqu'il y a toujours une instruction en cours dans ce dossier. Mais le but, c'est d'aller contre X et de trouver, finalement, on a des traces de micro-ADN sur les vêtements qui ont été retrouvés dans la décharge. Quand on retrouve donc une trace ADN de Jacquemert sur l'un des jeans de Nelly Haderer, comment est-ce que vous expliquez à vos clients que... ça sert à rien, qu'il n'y aura pas de suite? Je leur explique avec des mots simples, en leur expliquant que le droit français est ainsi fait. Je leur explique également qu'on va réfléchir à des solutions. À l'époque, alors, c'est plus d'actualité, puisque aujourd'hui, Jacquemert étant décédé, on ne se pose plus la question. La première chose qu'on imagine, c'est de militer auprès de l'État français
pour que les victimes bénéficient d'un droit de révision des procès, comme les condamnés définitivement peuvent le faire, c'est-à-dire obtenir une révision du procès de maître avec ces nouveaux éléments. Expliquons ça, la révision, c'est en faveur du condamné, mais pas en faveur des victimes. C'est pas en faveur des victimes, donc l'appel d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on voulait aller dans ce sens-là pour que le droit français change, que cette affaire au moins serve à une chose, c'est qu'on puisse un jour rejuger des personnes sous réserve des délais de prescription, là, évidemment. C'est-à-dire que si des faits sont prescrits, on ne peut pas revenir dessus, on ne va pas chambouler toutes les règles essentielles du droit pénal français, mais rejuger une personne si des éléments matériels concrets le permettent. Et certains pays l'autorisent, comme en Angleterre. Donc ce n'était pas quelque chose de complètement aberrant. Donc c'est là-dedans que vous vous êtes lancé, en fait, dans une tentative de faire évoluer le droit français, mais il a fallu que vous fassiez comprendre à vos clients qu'il n'y avait pas d'issue judiciaire à cette découverte d'un ADN. Il était probable qu'il n'y ait pas d'issue judiciaire suite à ce rapport d'expertise génétique. Ça, c'est sûr. Et c'était difficile à entendre, parce que, vous l'avez expliqué, ce sont des gens qui sont passés de l'attente à des convictions, à des condamnations, à des non-lieux, à des acquittements, à des cassations. Enfin, ils sont passés par toutes les voies du droit pénal français avec des espoirs et des déceptions. Est-ce que vous êtes suffisamment légitimiste à l'égard du système, Maître Babel, pour dire aujourd'hui ce qui en droit est incontestable ? Jacques Maire n'a pas tué Nelly Adereur. Mais évidemment. C'est-à-dire qu'il n'est pas question ni de juger quelqu'un qui a été définitivement acquitté, ni de juger un mort, évidemment. On ne va pas revenir sur le cas de Jacques Maire. Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir la vérité dans ce dossier. Et une vérité, elle peut être une vérité factuelle avant d'être une vérité judiciaire. C'est-à-dire, c'est de rechercher qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce soir de janvier 1987. Il y a une conviction que j'ai toujours eue dans ce dossier. Et cette conviction, elle est partagée par la famille de Nelly. C'est que la personne qui a commis ces faits n'était pas seule. Qu'il y avait plusieurs personnes qui ont participé au meurtre et au massacre du corps de Nelly Adereur. Oui, parce qu'il y a un problème de timing total, c'est-à-dire que il est chez lui aux alentours de 1h, 1h30 du matin, elle part à quelle heure de chez son frère ? En fait, le laps de temps est très court pendant lequel il est censé l'avoir tué et découpé. Alors, seul, il ne peut pas y arriver. On s'imagine que le crime a dû se faire peu de temps après le départ de son frère, puisqu'on ne peut qu'imaginer à ce stade-là, et que, au plus tard, les actes sont terminés vers 6 heures du matin. Et c'est là qu'il y a déjà des premières personnes qui arrivent et qui auraient pu constater de tels faits. Donc, le timing est très court. Ça, c'est sûr, et c'était un argument, d'ailleurs, parfaitement valable de la défense. C'est de se dire qu'un homme seul ne peut pas commettre ses actes dans un laps de temps aussi court. Alors, on a vérifié. C'est court, mais ça reste possible. Mais ça reste très court également, parce que on n'a pas la preuve matérielle qui permet de relier à un horaire tel ou tel acte criminel. Donc, aujourd'hui, l'objectif de cette instruction qui continue est de trouver un éventuel complice. Alors, en étant très concis et en respectant le secret de l'instruction, il y a deux choses qui sont très importantes dans ce dossier. Vous avez parlé des analyses ADN qui ont été effectuées et dont les résultats en 2014 nous renvoient sur la piste de Jacques Maire. Il faut savoir que nous avions demandé, avec l'autre avocate de la famille Adereur, nous avions demandé des analyses ADN, de micro-ADN, sur l'ensemble donc des scellés, et à ce qu'ils soient comparés avec l'ensemble des personnes qui avaient été mises en cause, qui étaient au nombre de 18, si je me souviens bien, au début de cette procédure. Le juge d'instruction ne va faire droit que partiellement à notre demande, et va faire cette analyse, mais ne va la comparer pour exclusion que à l'ADN de Jacques Maire. En d'autres termes, il compare l'ADN qu'on retrouve uniquement à celui de Jacques Maire, et on retrouve effectivement cette tache de sang, donc qui serait du sang de Jacques Maire, dans la poche intérieure de Jean de Nelly Adereur. Mais il y a d'autres ADN qui peuvent être comparés à d'autres personnes. Exactement. Il y a d'autres ADN. Vous avez un ADN masculin non identifié, et un mélange d'ADN masculin-féminin non identifié. Et le concubin de Nelly avait demandé l'analyse de ces ADN, et le juge d'instruction n'avait pas fait droit à ces demandes dans un premier temps, et la chambre de l'instruction a donc réordonné une analyse de ces ADN. Parce qu'il ne s'agit pas de partir sur des témoignages, il s'agit de partir sur des éléments concrets qui permettraient de déterminer qui sont le ou les responsables de ce crime.
Moi, mon sentiment, en racontant cette histoire, c'est de raconter une justice de classe, parce que j'en ai raconté des centaines des affaires criminelles. Mais enfin, on déclenche des enquêtes pour moins que ça. Or là, on a l'impression que parce que ces gens ne pesaient rien socialement, n'avaient pas de pouvoir, n'avaient pas le bras long, on ne leur a même pas offert une enquête. Est-ce que je me trompe ? Vous avez raison, en partie. Raison, car c'est vrai qu'on a ce sentiment également. On a ce sentiment que si ces trois disparus venaient de familles de notables nancéens et pas de familles d'ouvriers de Dombasle, peut-être que les recherches auraient commencé beaucoup plus tôt, peut-être que les investigations auraient été plus poussées. Et je parle surtout en ce qui concerne Odile Bichet et Sandrine Ferry, et on a l'impression ben vous les retrouverez. Mais c'est aussi la conjonction d'un ancien système qui est la recherche dans l'intérêt des familles, qui était un système pour rechercher les personnes disparues sans vraiment les rechercher. On faisait simplement une déclaration, mais on ne recherchait pas les gens. On les mettait dans le fichier, qui d'ailleurs à l'époque était un fichier papier, donc il y avait zéro chance que personne... Ça servait à rien. Ça ne servait à rien. Donc c'est la conjonction de ces deux choses, je pense. C'est vrai qu'on a ce sentiment de justice de classe et un système qui ne fonctionnait absolument pas dans tous les cas de figure. L'autre sentiment qu'on a, maître, c'est que lorsque le juge d'instruction décide de renvoyer ces deux dossiers, celui de la mort de Nelly Aderer et de la disparition d'Odile Bucet, devant la cour d'assises, en vérité, le dossier n'est pas assez solide. On peut envisager un acquittement dès le premier procès. Alors, les deux dossiers, alors on va être parfaitement clair. Les deux dossiers sont faits parce que, comme vous l'avez indiqué et je l'ai rappelé, ils reposent chacun sur un témoignage unique qui relie Jacques Maire aux victimes, que ce soit pour Odile Bucet ou pour Nelly Aderer. Donc, les deux dossiers sont faibles. Et donc, en les mettant les deux ensemble devant la cour d'assises, il faut être clair aussi. C'est-à-dire que le parquet compte sur l'effet d'ambiance de ces deux dossiers pour obtenir la condamnation de Jacques Maire. Je veux dire, ça, c'est évident. Donc, deux dossiers ne tiennent que parce qu'ils sont juxtaposés, parce que deux témoins disent la même chose concernant le même homme, quoi. Mais je vais rien révéler, en sachant que c'est une tactique, ouvrez les guillemets, classique du parquet sur des dossiers qui ne sont pas jugés assez forts. Le dossier Bucet était terminé depuis des années avant que celui de Nelly Aderer soit clôturé. Et on a attendu, avant de faire passer le dossier Bucet aux assises, que celui de Nelly Aderer soit prêt. Pas. C'est que les deux dossiers, oui, ne reposent que sur des témoignages uniques, et donc le déroulé des assises devient essentiel, et les impressions d'assises deviennent essentielles, l'intime conviction devient essentielle pour qu'on détermine ou non un coupable. Le témoin qui reliait Jacques Maire au meurtre de Nelly Aderer, cette femme, Viviane, qui dit avoir vu la GS blanche, mais dont on dit au cours d'un des procès que c'est une menteuse. C'est une menteuse ? Il faudrait lui demander à elle. En fait, lorsque je suis à Épinal, lorsqu'elle fait sa déposition, elle est parfaitement claire et je n'ai aucun doute sur la vérité. C'est-à-dire, elle dit la vérité, elle le dit tellement bien que c'est la seule fois du procès d'Épinal que Jacques Maire va réagir. Il va se lever assez violemment et va lui dire, en criant, « Dis la vérité, je ne te ferai pas de mal. » Et donc, en un instant, ces déclarations étaient tellement claires, tellement véridiques, que Jacques Maire a perdu son sang-froid et est redevenu, pas le Jacques Maire maçon de 40 ans, mais le Jacques Maire, le caïd de Dombasle, d'il y a 20 ans avant. Après, lorsqu'on est à Metz, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez un témoin qui en a assez de raconter la même histoire, et donc qui est beaucoup moins crédible, dont le témoignage ne suffira pas cette fois-ci à entraîner la conviction des jurés. La morale de toute cette histoire, c'est qu'il est extrêmement difficile de juger des gens 20 ans après. Je songe à ça parce que il est tout le temps en question dans le système judiciaire français de reporter les délais de prescription. Mais enfin là, on a la preuve que interroger des témoins 20 ans après, ça n'a pas de sens. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est tout le principe. On maintient aujourd'hui une instruction dans le dossier Aderer. Mais moi, j'ai déjà expliqué à mes clients qu'il est hors de question de courir après un procès sur la base de nouveaux témoignages, parce qu'il y a des nouveaux témoins qui sont révélés, il y a un certain nombre de personnes qui parlent, et c'est soumis au secret de l'instruction, mais il en est hors de question. C'est-à-dire qu'on peut rejuger longtemps après quelqu'un, mais il faut qu'on ait des preuves matérielles sérieuses et crédibles sur des témoignages. Il n'y a rien de plus fragile que le témoignage humain. Je vous remercie infiniment, maître Pierre-André Babel. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.